Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction affine. Donc nous allons prendre l'exemple de la fonction f de x égale moins 3x plus 1. Donc nous pouvons constater que c'est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Donc pour la représenter, nous allons avoir besoin de deux points. Donc un premier point qui est assez facile à placer, c'est qu'en fait f de x égale moins 3x plus 1, donc nous avons 1 ici qui est l'ordonnée à l'origine de cette fonction affine, donc nous savons que la représentation graphique va passer par le point de coordonnée 0, 1. Je l'ai appelé ici A, donc on va le positionner ici dans notre repère. C'est le point de coordonnée 0, 1, il est donc situé ici. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un deuxième point pour tracer la droite. Donc pour cela, nous allons choisir un nombre. Donc on essaye de le choisir de façon à ce qu'il soit facile à calculer et qu'on puisse facilement ensuite passer les coordonnées du point dans le repère. Donc ici j'ai choisi x égale 2, je calcule son image par la fonction f, donc ça fait moins 3 fois 2 plus 1, ce qui nous donne moins 5. Et on obtient donc le point B de coordonnées 2, moins 5, qui va appartenir à la droite. Donc on le positionne aussi dans notre repère, donc le point de coordonnées 2, moins 5, qui se situe ici. Maintenant, il nous reste à tracer la droite. On relie les deux points. Et on a représenté graphiquement notre fonction affine f de x égale moins 3x plus 1. On pourra dire aussi que cette droite a pour équation y égale moins 3x plus 1.